Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier Shibi Akabara qui m'a sponsorisé mon voyage au Japon pour me rendre au Jump Victory Carnival afin d'aller tester le jeu Dragon Ball Sparking Zero. Donc vraiment merci à eux. N'hésitez pas à faire un tour dans la description de cette vidéo. Il y a le lien de leur site internet afin de vous faire plaisir. Il y a des figurines Dragon Ball de fou. Et en plus, vous avez mon code promo SofianeLeDit2023. Ça vous permet d'avoir moins 10% sur votre commande. Alors faites-vous plaisir. Il est temps que je vous dévoile ma toute première game sur le jeu Dragon Ball Sparking Zero, car ceux qui ont suivi mon live lors de mon voyage au Japon pour le Jump Victory Carnival afin d'aller tester justement le jeu Dragon Ball Sparking Zero, je vous avais dit que quelques heures avant, j'avais déjà testé le jeu, histoire de me familiariser avec le gameplay. Eh bien, je vous avais promis ma toute première game en vidéo, ça va être chose faite dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est FunnyGeek, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball Sparking Zero, comme j'ai pu vous le dire, vous le savez très bien, on revient du Japon. Eh bien, voici la première game que j'ai effectuée au Japon. On perd pas de temps, on y va, let's go. Donc j'ai voulu pour cette première game tester le Goku Arc Cell DBZ. Donc voilà, là j'ai demandé à la personne de Bandai Namco de me mettre les touches comme Sparkling Meteor, c'est-à-dire comme Budokai Tenkaichi 3, c'est-à-dire en mode classique sans assist, en mode manuel. Voilà, classique sans assist, mode manuel. Donc là, je regardais un peu la différence des Goku. Là, je regardais le Goku SJ3 et je me disais, ouais, il manque de muscles, il manque de volume au niveau des cheveux, tandis que le Goku Arc Saiyan et le Goku Arc Cell, je les trouve sublimes. Surtout au niveau du SSJ, on voit clairement la différence entre la chevelure SSJ Arc Namek et la chevelure SSJ Arc Cell. Et là, juste à côté de moi, là, c'était Marty. C'était le frérot Marty. Il était en train de se faire désosser par un Gogeta. Il avait pris un Goku forme de base face à un Gogeta SSJ, si je dis pas de bêtises. Et il s'était fait déboîter parce que le Gogeta était beaucoup trop rapide. Donc voilà. Et du coup, voilà, j'avais pris le Goku Saga Cell, le Gohan. Et ensuite, j'ai voulu tester Mr. Satan. Voilà, parce que Mr. Satan, je trouve que voilà, le gameplay est plutôt cool, est plutôt sympa, et voilà. Alors, m'en voulez pas, des fois, je vais zoomer avec ma tête, voilà, comme là. Parce qu'en fait, je disais, mais le jeu, il est trop beau. Le jeu est beaucoup trop beau, clairement. On se rend pas compte sur YouTube, mais je peux vous dire que sur votre écran devant vous, le jeu est sublime. C'est vraiment un truc de dingue. Donc voilà, hein, je testais un petit peu les touches. L'aura, le ki, etc. Alors, ne nous en voulez pas pour les images, vous savez très bien que ça a été très compliqué pour filmer en mode incognito. Heureusement que j'avais Ludivine avec moi. Et là, voilà, j'ai réussi à déclencher la fameuse esquive et le contre, le fameux triangle et rond, comme dans Budokai Tenkaichi 3. Donc, voilà, des fois, Ludivine, voilà, baisser un peu le téléphone et tout pour pas se faire cramer, la pauvre. Et du coup, voilà, là, j'ai testé le Kamehameha, hop. Donc, on peut charger hein, le Kamehameha. Forcément, vous pouvez le charger en restant appuyé, voilà. Là, on a l'aura. On peut balayer les Kikoa. Voilà, hop, boum, 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 boum. Vous voyez, c'est ce que j'essayais de faire. En fait, je tâtais le terrain. Voilà, je tâtais le terrain, histoire de savoir si je retrouvais les touches de Tenkaichi 3, et je les retrouvais. Là, j'avais fait le grand dash où je viens derrière l'adversaire. Vous savez, quand on maintient la gâchette L2 et qu'on appuie deux fois croix, je suis arrivé derrière. Là, vous voyez, hey, les effets, franchement, les gars, j'en prenais plein la tête. Les effets, j'en prenais vraiment plein la tête. Et là, j'ai voulu me transformer, j'arrivais pas, et ensuite, j'ai réussi. Sauf qu'au moment où j'ai réussi à me transformer, c'est-à-dire juste là, bah, Ludivine, elle a caché le téléphone parce qu'il y avait une personne de chez Bandai, là, qui était en train d'appeler une personne pour aller jouer. Elle n'a pas voulu se faire cramer. Donc là, j'étais en Super Saiyan. Et malheureusement, on n'a pas vu la suite. Mais là, vous voyez bien, là, en fait, j'étais en Super Saiyan. Et là, c'était incroyable. En Super Saiyan, j'ai vu la différence de rapidité, contrairement au Goku forme de base, au Goku Super Saiyan Arc DBZ Cell. C'était clairement autre chose. Donc c'est là où maintenant on va décortiquer, on va revenir sur, sur certains points. C'est le timing. Pourquoi aujourd'hui sur YouTube, je comprends mieux, pourquoi on ne voit pas des gens effectuer des combos de dingue alors qu'il y a eu je ne sais combien de gameplay qui sont arrivés sur la toile, etc. Pour la simple et bonne raison, c'est que chaque personnage, en fonction de sa transfo ou de sa forme, le timing n'est pas le même. Voilà, clairement, je vous le dis. Par exemple, tu prends Gogeta, tu vas pouvoir spammer rapidement les boutons pour, par exemple, je sais pas moi, faire des esquives ou quoi, ça va se déclencher beaucoup plus rapidement qu'un Goku forme de base. T'as envie de faire un cancel, le cancel avec le Goku forme de base va avoir un timing différent d'un Gogeta où ça va être beaucoup plus rapide. Vous voyez? Donc il y a ça qu'il va falloir jauger.
et il va falloir vraiment s'habituer à ce timing. Donc voilà, ça sera une habitude à avoir, il faudra penser le jeu, il faudra se faire une équipe, etc. Avoir un main, d'accord, avec un certain personnage, enfin des affinités supplémentaires avec certains personnages pour apprendre leur timing. Et ensuite, voilà, ça roulera comme sur des roulettes, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'au départ, tu retrouves concrètement les mêmes touches Tenkaichi 3, mais ça ne se joue pas de la même manière au niveau du timing pour déclencher les choses. Donc c'était au départ un peu brouillon, mais voilà, ensuite voilà, j'ai retrouvé mes repères, la recharge de ki, c'est toujours la gâchette, balayer les kukoa, voilà, sans aucun problème, vous voyez, hop, on peut les balayer sans problème, le triangle rond avec les esquives et le contre, et là en fait, hop, j'ai pas réussi à rattaquer direct parce que le timing n'était pas le même que sur Tenkaichi 3, voilà. Donc voilà, c'est des petites choses, des ajustements qu'il faudra peaufiner au niveau du gameplay manette en main. Également, les effets. Franchement, les gars, moi, je m'épose parce que, en fait, l'aura, le ki, il est sublime. Et en fait, moi, je ne savais pas, et après avoir parlé justement avec Marty, qui était à mes côtés, justement, à ma gauche, hein, comme j'ai pu vous le dire, il m'a dit clairement que c'était une version améliorée, une démo version améliorée de lui, ce qu'il avait pu tester au Summer Game Fest. Moi, je savais pas, j'ai pas testé la démo Summer Game Fest, donc pendant mon live, j'ai dit, je pense qu'il doit s'agir de la même démo. Et en fait, Martin m'a dit, non, celle-là, elle est beaucoup plus fluide. Mais il me l'a dit après, tu vois. Et effectivement, je trouvais ça vraiment incroyable. Et c'est vrai que même le ki, là, vous voyez, il est super bien réalisé avec, regardez, les effets autour du ki. Vous voyez, vous avez le ki et vous avez également des tourbillons autour du personnage, tout ça, avec voilà, des brins d'herbe et tout qui s'envolent, des effets, en fait, tu as des effets en veux-tu, en voilà, tu as à boire et à manger à l'écran, et c'est sublime. Je pense vraiment que c'est le point fort du jeu. En termes d'animation, tu en prends plein la rétine. Vraiment, c'est un truc de fou. Vous voyez, là, en fait, même les effets, voilà, les étincelles, etc., pour les Kikoa, quand tu les balayes, même là, la charge de ki, regardez la map, le temps a changé, la couleur de la map a changé, parce que le ciel devient sombre, etc., en fonction du ki, plus ton ki va, vous voyez là, le ciel là, il est violet maintenant, il est gris, violet, plus tu vas mettre de la puissance, plus ça va être incroyable. Par contre, ça aussi, il faut qu'on en parle, c'est ça, et je trouve que pour moi, c'était la chose que je kiffais de ouf. C'est, tu fais un Kamehameha, ça te fait de la fumée, ok? La fumée, elle va se dissiper. Donc là, c'était un petit Kamehameha, d'accord? Je ne l'ai pas chargé de ouf, ok? Petit Kamehameha. La fumée, hop, elle se dissipe. Mais quand tu fais un gros Kamehameha de dingue, tu as ensuite un gros nuage de fumée et tu ne vois plus l'adversaire. Et toi, du coup, tu te dis, bah vas-y, je vais recharger mon ki. Et là, j'ai été pris de surprise, c'était à ma deuxième game, je crois. L'adversaire, il a traversé le nuage pour venir me taper. J'étais surpris, je fais wow, je ne m'attendais pas. Je trouve ça incroyable. Franchement, je trouve ça vraiment incroyable. C'est vraiment le souci du détail. Voilà, Junfu Otani, il a mis vraiment le souci du détail dans son jeu. Je trouve ça vraiment spectaculaire. Les gars, vous allez comprendre quand vous allez avoir le jeu en face de vous sur votre écran. Vous allez comprendre. Parce que, en fait, quand tu vois les vidéos YouTube, etc., on dit, waouh, ouais, c'est beau et tout, mais on ne s'en rend pas compte, en fait, à quel point c'est beau, en fait. La fluidité, elle est incroyable. Et pareil, alors, moi, je ne suis pas très fan, quand même, de cette façon pour choisir les persos. Je pense qu'on aurait pu avoir un menu bien plus travaillé. Apparemment, ce n'est pas le menu définitif, mais je pense qu'à mon avis, parce qu'ils m'ont dit, ils vont continuer à le customiser. Mais customiser, en fait, ce n'est pas une refonte. Là, pour moi, je préférais une refonte. Maintenant, voilà, c'est juste le menu de sélection des personnages. Hein. Pff, c'est secondaire quand même, tu vois. Mais je pense que, en fait, peut-être que j'aurais voulu avoir un truc à la Tenkaichi 3, comme à l'ancienne, tu vois. Et bon, maintenant, ils sont passés sur quelque chose comme ça, un peu en mode classique, des cases, et puis voilà. Bon, c'est pas dramatique. En soi, c'est pas dramatique, mais c'est vrai que j'aurais peut-être préféré autre chose. Mais c'est pas ça qui fera la beauté du jeu. La beauté du jeu, c'est in-game. Et là, pour l'instant, in-game, j'ai été conquis. Clairement, j'ai été conquis. Donc, voilà, les amis, pour cette première game, je vous avais promis comme quoi j'allais la balancer sur ma chaîne YouTube. Ça a été chose faite.
m'en voulez pas, il n'y a pas de combo de dingue, etc. C'était ma toute première game, d'accord les gars? Donc voilà, c'était manette en main. Au moins, vous avez vraiment ma façon de faire, comment j'ai apprivoisé le jeu directement pour cette première game. J'ai essayé de retrouver les repères Tenkaichi 3 avec les esquives triangle rond, le fameux dash à fond où tu vas derrière l'adversaire, le Kamehameha L2 triangle, voilà. Et on a tout retrouvé. J'ai retrouvé toutes les touches de Tenkaichi 3 et ça, c'est une excellente chose. Par contre, il faudra faire attention au timing. Voilà. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager, max de pouces bleus en mode Genki Dama. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire. J'étais déjà hype pour Sparking Zero, mais je suis encore beaucoup plus hype maintenant. J'ai envie de l'avoir. Et croyez-moi, on n'a pas dit notre dernier mot. Fin août, on ira à la Gamescom en Allemagne pour aller tester la nouvelle démo, les amis. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.